Yves Clos, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de psychologie du travail au CNAM. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur le sujet. Que dire d'autre pour vous présenter? Bah, dire que j'ai exercé pendant quasiment 15 ans ces fonctions de titulaire de la chaire de psychologie du travail et que je suis professeur émérite donc en retraite depuis un an. Et que dans ma trajectoire, c'est évidemment un moment important, puisque ma succession étant assurée, je suis heureux de constater que le travail que j'ai fait se poursuit sans moi. Il paraît très important de signaler ça, parce que dans le monde universitaire, c'est parfois compliqué, les successions. Voilà. Et donc, je suis très heureux de voir que, d'une certaine manière, je ne suis pas indispensable. C'est une façon de rentrer dans le sujet, hein, de constater qu'une équipe de collègues peut fonctionner dans une histoire qui ne m'appartient pas. Oui, c'est difficile ça, effectivement, de d'imaginer qu'une tradition va se perpétuer, que sera les choses seront faites différemment, mais qu'elles seront tout de même bien faites. C'est-à-dire qu'on n'est pas des machines, donc forcément, on va pas, ça va être la reproduction du même, et c'est tant mieux. Et du coup, il y a des choses qui vont se perdre, ça on en est sûr. On ne sait pas ce qui va se gagner à la place. Voilà. Mais il y a un vrai plaisir, c'est ça que je voudrais dire. Il y a un vrai plaisir, en tout cas pour moi, de constater que cette histoire, finalement, ne m'appartient pas. Ce qui est une façon de l'affranchir de mon propre travail, même si évidemment je continue à réfléchir et même à travailler avec les collègues sur cette tradition, comme vous dites, en tout cas sur cette spécialité. Vous qui êtes un observateur privilégié des phénomènes psychiques liés au travail, est-ce que vous pouvez définir en quoi consiste précisément l'activité de psychologue du travail? Alors, je pense que il faut admettre la diversité et l'hétérogénéité, hein, des pratiques des psychologues du travail, sachant que c'est une discipline à laquelle ce que j'ai essayé de faire et qui continue de se faire ici au CNAM d'ailleurs, hein, qu'on appelle la clinique du travail, c'est une spécialité d'une certaine façon, même pour ce qui me concerne la clinique de l'activité, qui est encore plus réduite, j'allais dire, plus modeste aussi peut-être. C'est une partie de la psychologie du travail. La psychologie du travail, que d'ailleurs on trouve souvent appelée la psychologie du travail et des organisations, c'est une psychologie du travail qui est pas forcément d'orientation clinique au sens où je l'entends, sur lequel on va revenir, quoi. Ça peut être aussi une psychologie beaucoup plus proche de ce qu'on appelait à l'époque la psychologie industrielle ou tout ce qui se fait dans le champ des ressources humaines, quoi. Donc une tentative d'outiller tout ce qu'on appelle la gestion du personnel, ce qu'on appelait avant la gestion du personnel. Alors que la spécialité qu'on a développée au CNAM, et celle dans laquelle j'ai essayé d'exercer mes talents, si je peux dire, c'est une spécialité d'intervention en milieu professionnel pour, d'une certaine manière, soutenir le développement du pouvoir d'agir dans les situations. Et ça, c'est pas complètement classique en psychologie du travail. Moi, je m'honore d'avoir fait mon travail à l'intérieur de cette discipline, mais en même temps d'avoir essayé de développer une spécialité un peu original, qui fait discuter d'ailleurs entre collègues, et je trouve que ces discussions, voire ces controverses, sont très utiles. Comment vous êtes venu à ce développement particulier? Bah, j'y suis venu essentiellement les soucis de la santé au travail. C'est ça qui a toujours guidé mon engagement. Je pense que la psychologie du travail, si elle ne rentre pas dans les questions, par les problèmes de santé, c'est-à-dire par l'expérience vécue des travailleurs, parce qu'on parle de ça, elle vire très très facilement à la gestion. En tout cas,
est toujours guetté par l'idée de fabriquer des outils pour que les gens finalement parviennent dans les situations de travail où ils sont à supporter l'insupportable. Je le dis de manière un peu tranchée, mais c'est souvent comme ça que les psychologues du travail sont amenés à essayer de trouver une vertu à leur fonction. C'est au fond fabriquer de l'outillage pour que ça tombe quand même, quoi, en conciliant un peu tout. La performance, la santé, les organisations telles qu'elles sont, mais aussi le sens que les gens veulent y trouver. Donc, c'est vrai que j'ai suivi un peu une autre voie, quoi, hein, qui a à voir avec la clinique, parce que j'ai toujours considéré que, il fallait rentrer par les problèmes de santé dans le domaine, si je peux dire, et deux, la question du conflit était une question centrale. Je pense qu'elle l'est pour toute psychologie, bien sûr, mais que dans le champ du travail, elle l'était encore plus, parce que dans le champ du travail, on est dans des rapports sociaux, on est dans ce que le contrat juridique de travail appelle subordination, d'ailleurs. On est donc dans des milieux dans lesquels il y a des conflits traditionnels, classiques, surtout en France. Et intervenir dans des situations de travail, c'est toujours être mêlé à ces histoires-là, à ces histoires de conflits. Donc dans la formation qu'on a installée au CNAM, on s'est toujours attaché à préparer les psychologues du travail à ne pas fonctionner dans le déni du conflit. Ça paraît très important parce que sinon on devient un gestionnaire, quoi. Oui, ça c'est quelque chose... Je me demande de quand ça date. Parce que... Moi, j'ai l'impression, donc moi, je suis entre les 30 et les 40, voilà, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est particulièrement visible aujourd'hui et qui existe de plus en plus manifestement dans les organisations de travail, on va dire depuis 10-15 ans. C'est-à-dire que, si je vous donner un exemple qui me... quelque chose que je connais un peu, à savoir l'hôpital, il y a peut-être 15 ou 20 ans, on ne concevait pas qu'il y ait des directeurs qui soient de purs gestionnaires, qui géreraient un hôpital comme ils géreraient une usine de boîtes de conserve. Or, c'est quelque chose qui est une crainte, souvent fondée, par les agents hospitaliers aujourd'hui. Est-ce que, à votre avis, c'est juste qu'on en parle plus aujourd'hui, ou c'est que ça existait déjà avant? Non, je pense que quand on suit ces questions-là depuis presque 40 ans, ce qui est mon cas, on peut dire qu'on a vu émerger des contextes nouveaux. Je pense qu'on est toujours guetté par un tropisme qui considère que quand on est mêlé, les situations, elles sont nouvelles, mais... cas pour ce qui concerne les professionnels du secteur, je pense qu'on peut vraiment s'entendre sur le fait que, en gros, il y a quand même quelque chose qui a basculé dans les années 80, quoi. Hein, voilà. D'accord. Et qui tourne autour de ce que vous dites, quoi. C'est-à-dire une tentation et ensuite une tentative d'aligner le travail sur la gestion. Et de sous-estimer à quel point, évidemment, le travail doit être géré, mais il ne peut pas... on peut même dire, il ne peut même pas être bien géré s'il n'est pas respecté dans ce qu'il a d'original, de singulier, et j'allais presque dire, par définition, d'imprévu. Il y a quelque chose qui concerne le premier chef, le travail humain, c'est l'inattendu des situations, le fait que, paradoxalement, dans le travail, on cherche, et c'est normal d'ailleurs, à tout prévoir à l'avance. D'une certaine manière, quand on dirige une organisation, c'est normal, on cherche à anticiper et à tout prévoir à l'avance. Hein. Je dis c'est normal entre guillemets. Mais en même temps, on cherche à tout prévoir à l'avance et puis ça ne se passe jamais comme prévu. C'est ça qui fait le sel, j'allais dire, du travail humain. C'est que, évidemment, l'anticipation, j'allais presque dire la prescription,
même la mesure, tout ça est, fait partie du travail. Il faut regarder en face, quoi. Mais ce qui fait aussi partie du travail et qui est au cœur de la discipline qu'on a développée, de la spécialité qu'on a développée, c'est précisément le fait que la santé et même la performance, au bout du compte, a à voir avec la capacité de se mesurer à l'inattendu et à l'imprévu. C'est là que réside l'intelligence, la créativité, le rapport à l'autre. C'est ça que le travail est merveilleux, d'une certaine manière, et bien souvent est maltraité, mais ça reste merveilleux parce que même dans les situations très contraintes que vous évoquez, où la gestionnite a beaucoup avancé, ça reste malgré tout complètement ça, c'est-à-dire que la performance qui a encore lieu, elle est due à la capacité des sujets, des travailleurs dans la situation, justement de ne pas faire exactement ce qui avait été prévu et de mobiliser l'expérience de ce qui n'est pas attendu et qu'on a accumulé comme force de création. Si l'activité de travail est parfois source de souffrance, elle peut aussi être fondamentalement nourricière. Ainsi, au sujet du rapport du sujet à la non-activité, vous dites, je vous cite, « Outre sa fonction sociale, le travail a une fonction psychologique de préservation et de développement de la subjectivité contre le désœuvrement social du sujet. » Fin de citation. En quoi, selon vous, cette activité impacte-t-elle notre sentiment d'exister, particulièrement à notre époque ? Voilà, alors cette idée de désœuvrement est assez importante parce que, évidemment, on entend spontanément désœuvrement au sens, j'allais dire, au premier sens du terme. C'est-à-dire, on est désœuvré lorsqu'on n'a rien à faire. Au principe du désœuvrement, évidemment, la masse de chômeurs dont la vie est abîmée par ce sentiment d'inutilité, voire même le sentiment d'être superflu, quoi. Hein ? D'accord. Mais moi, il m'est arrivé d'utiliser le mot de désœuvrement comme un quasi-concept à l'intérieur de l'activité professionnelle. Autrement dit, je pense qu'on peut être désœuvré en étant hyperactif. L'hyperactivité liée à l'intensification du travail, hein, qui domine aujourd'hui. Moi, cliniquement, je suis arrivé à la conclusion qu'au fond, souvent, ce qui est le plus ruineux pour la santé, ce qui est le plus finalement difficile à supporter, c'est de ne pas pouvoir faire ce qu'il faudrait faire. Et donc on peut avoir des gens qui sont dans une activité d'une très grande intensité et qui sont désœuvrés au sens où ils vont dans une situation où au fond il n'y a pas d'œuvre possible dans le travail. Ils ne peuvent pas laisser leur empreinte quelque part. Ils ne peuvent pas signer leur activité, si je peux dire. Et du coup, ils ne se reconnaissent pas dans ce qu'ils font. C'est pas seulement ils ne sont pas reconnus, ce qui est devenu un classique aujourd'hui, de dire et d'entendre des choses de ce type-là, mais pas pouvoir se reconnaître. Et parfois faire des choses qui ne sont pas défendables à ses propres yeux. Et donc la masse de travail qui est ni fait ni à faire, c'est-à-dire le travail qu'on fait, mais quand on sait très bien qu'il faudra le refaire, par exemple. Je pense même que c'est le problème massif d'aujourd'hui, c'est-à-dire pas simplement la fatigue qui est engendrée par le travail qu'on fait, mais celle qui est engendrée par tout le travail qu'on ne peut pas faire, quoi. Des activités ravalées, enfin tout ce qu'on garde sur l'estomac, en fait. Y compris quand on... Là encore, je vais parler de choses qui me concernent, y compris quand on nous impose des protocoles issus d'expertise par des gens qui sont moins experts que nous. C'est-à-dire, raconter une anecdote, une manière de penser que je partage d'un psychiatre dont je tairai le nom, qui est chef de pôle en Île-de-France, et qui disait que le gros problème, c'est que l'Agence régionale de santé, hein, donc qui donne les crédits aux hôpitaux et qui décrète, hein, un certain nombre de protocoles, je parle de quelque chose de moral, hein, quand je dis décrète,
mais du coup qui a des effets tout à fait concrets, hein. S'entoure d'experts qui sont en général des médecins généralistes, en tout cas des gens qui ne sont pas forcément des spécialistes, eh bien, ils s'appuient sur des éléments qui ne sont pas tellement tirés de leur expérience, qui sont beaucoup basés sur des travaux synthétiques qui synthétisent des choses qu'ils ne sont pas forcément. Je pense par exemple que c'est compliqué de faire une synthèse entre des travaux de cognitivo-comportementalisme et de psychanalyse, par exemple, et qui sont très souvent en plus écrits par des gens qui travaillent pour des labos pharmaceutiques. Donc il y a un moment où c'est effectivement particulièrement difficile de s'entendre dire « on va faire comme ça » par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est d'autant plus difficile, je pense, que au fond, ce qui est dénié dans ces processus d'expertise-là, hein, n'est pas obligé d'être contre toute expertise d'ailleurs, hein, mais dans ces processus d'expertise-là, ce qui est complètement nié, c'est l'expérience, pas seulement individuelle, mais collective, dans les services, hein, c'est-à-dire le service ou le travail de façon générale, quoi. On pourrait même dire que cette expertise a comme fonction, triste fonction, de transformer des collectifs de travail potentiels en collection d'individus, c'est-à-dire une sorte de juxtaposition individuelle qui organise la déliaison, quoi. Hein, la fonction de l'expertise dont vous parlez, c'est pas simplement de prescrire ces protocoles, quoi. Ça a aussi une fonction de déliaison, au sens où ça organise la séparation et la seule coordination qui demeure, c'est précisément la prescription. Donc ces processus-là, qui sont des processus très dangereux du point de vue de la santé, hein, puisqu'au fond, on est ensemble qu'en se tournant le dos et en étant mu par une prescription qui n'est ni entre les gens, ni dans les gens, mais qui est complètement à l'extérieur d'eux-mêmes, quoi. Donc on a, dans ces mécanismes de déliaison, l'une des sources principales de la psychopathologie du travail qui est devenue un problème majeur, quand même. Alors à ce propos, j'arrive avec un terme à la mode sur lequel vous allez pouvoir nous donner votre avis d'expert, justement, savoir la notion de risques psychosociaux, hein, les RPS, notion apparue dans les années 2000, dont on entend parler à tort et à travers, et qui a le vent en poupe aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous semble essentiel de rappeler pour redonner du sens à ces mots? Alors, franchement, j'ai même écrit un ouvrage qui s'appelle Le travail à cœur, et dont le sous-titre était Pour en finir avec les risques psychosociaux. Et je me suis souvent amusé à dire Pour en finir avec les risques psychosociaux a un double sens. D'abord, essayer d'en finir avec la chose, si je peux dire, mais aussi essayer d'en finir avec les mots. Je crois que ce vocabulaire de risques psychosociaux est un vocabulaire qui lui-même n'est absolument pas innocent, quoi, hein. C'est-à-dire qui a comme conséquence, j'allais presque dire hygiéniste, hein, de transformer les sujets qui travaillent, les professionnels, de les transformer en victimes, soit à soutenir, soit à assister, soit à juger d'ailleurs, et parfois même à condamner, quoi. Donc cette problématique du risque, quoi, qui est traditionnelle dans une certaine prévention à dominante hygiéniste, bon, j'ai voulu les critiquer en inversant le problème, en disant je suis d'accord sur l'idée qu'il faut traiter les RPS, mais pour moi RPS ça signifie ressources psychologiques et sociales. Donc non pas traiter le risque, mais développer les ressources psychologiques et sociales des milieux professionnels dans lesquels les gens sont impliqués. Au premier rang de cette ressource, il y a précisément
premièrement le collectif de travail, et deuxièmement l'organisation elle-même qui n'a pas la vocation définitive à devenir une contrainte à subir par tout le monde. Après tout, l'organisation, le travail d'organisation est au principe de l'activité humaine et on ne cesse d'essayer de s'organiser pour anticiper, réfléchir ensemble, réussir à être efficace. Donc l'organisation n'est pas une catastrophe potentielle, mais malheureusement, quand on la traite comme on la traite aujourd'hui, on en fait une tyrannie. D'ailleurs, je fais remarquer que ce vocabulaire des RPS est très évanescent, parce qu'aujourd'hui, on est essentiellement du côté de bien-être, qualité de vie au travail. C'est comme ça que les organisations abordent le problème aujourd'hui. Donc, j'ai souvent fait remarquer qu'il y avait une sorte de dévalorisation du vocabulaire, on pourrait même dire de l'obsolescence programmée. Alors, on a eu le stress, on a eu la souffrance au travail, on a eu le burn-out, maintenant on a le bear-out, ensuite on a eu les RPS, maintenant on a la QVT. Il y a comme une démonétisation très rapide de ce vocabulaire, qui est pour moi un vrai symptôme au sens clinique du terme. C'est le symptôme d'un déni. Bon, en général, quand on a des symptômes répétitifs qui se déplacent comme ça, c'est qu'il y a de l'angoisse derrière. Et là, il y a une angoisse sociale qui est qu'il y a un conflit de critères sur la qualité du travail. D'ailleurs, la qualité du travail pour les professionnels de première ligne, je vais presque dire pour vous, dans votre expérience, hein, les critères de qualité du travail à partir desquels vous jugez des situations, ben, ces critères ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas du tout superposables aux critères des gestionnaires, même aux critères des hiérarchies intermédiaires. Peut-être même aussi aux critères des usagers. Donc, mieux vaut regarder la conflictualité sur les critères de la qualité du travail, du travail bien fait, on va dire. Mieux vaut regarder cette conflictualité en face, en faire même une source de développement potentiel, plutôt que de s'installer dans un déni du conflit, qui en fait fabrique du symptôme, et ces symptômes, c'est l'ensemble des politiques de gestion des risques qui sont engendrés en fait par ce déni. Oui, c'est tout à fait, il me semble, dans le sens de ce que disait Marc Bartoli en proposant de faire de ces choses-là une dispute. C'est-à-dire quelque chose qui soit moteur. Oui, tout à fait, parce que il n'est pas question, bien évidemment, de dire qu'on peut se passer totalement de gestion ou que les administrations sont foncièrement mauvaises, etc. Pas du tout, hein. Ce n'est, il me semble, pas ce que vous dites, c'est pas ce que je dis non plus. Ce qu'il y a, c'est que pour que tout le monde puisse travailler en bonne intelligence, en tout cas en suffisamment bonne intelligence, il y a tout de même besoin que parfois on s'entrechoque, hein. Si on considère que quand on s'entrechoque, on va exploser, évidemment, chacun reste derrière sa ligne de tranchée. Et, d'ailleurs, moi, je vais même un peu plus loin, puisque j'ai évoqué la question des équipes, des collectifs, les conflits de critères dont je parle, là, sont au principe de la vie collective. Je me suis même... laisser aller à donner une définition du collectif de travail de façon un peu contre-intuitive en disant il y a un collectif de travail, lorsque je peux encore dire à mon collègue ça c'est pas du boulot. Si le silence s'installe dans une équipe et que je peux pas dire à un collègue de travail ça c'est pas du boulot, ou le contraire d'ailleurs, hein, ça c'est du boulot, ça veut dire que d'une certaine manière le renoncement s'est installé autour de la définition de ce que c'est que le travail bien fait. Sachant que le travail bien fait, entrer dans la question de la santé par cette porte-là, c'est très intéressant parce que le travail bien fait, par définition, il est définitivement discutable. L'idée qu'on pourrait trouver une norme définitive, comme la bonne pratique, la fameuse bonne pratique, derrière se ranger en file indienne, je pense que c'est un vrai fléau, quoi. Je crois même qu'on peut dire que la seule bonne pratique,
c'est la controverse sur la pratique professionnelle. Et dans un collectif, lorsque, au fond, les choses deviennent indiscutables, elles deviennent très rapidement silencieuses, et c'est ce silence-là qui est une source majeure de dégradation de la santé. Donc, vive le conflit, mais pas le conflit comme but, hein, parce que ça serait pathologique, oui. Mais le conflit sur la qualité du travail comme moyen de faire le tour de la question. Oui. C'est-à-dire de découvrir ensemble les angles morts, parce qu'il n'y a pas d'activité humaine sans angle mort. Par contre, si on reste seul, les angles morts restent invisibles. Donc c'est extrêmement important d'avoir des collectifs de travail qui installés sur la controverse professionnelle, précisément pour que les angles morts deviennent des sources d'intelligence et de créativité. Et quand une organisation ne prend pas soin de ça, d'une certaine manière, elle liquide, même elle supprime les sources de l'efficacité et de la performance. C'est ça le paradoxe. D'ailleurs, je suis de cet avis-là. L'organisation n'est pas a priori une catastrophe. Par contre, lorsqu'elle fonctionne au déni du conflit, elle devient très rapidement, un, inefficace, et deux, dangereuse pour la santé. Alors justement, sur la manière dont c'est intégré dans les données de fonctionnement, dans les organisations, enfin moi j'ai dit données de fonctionnement, ce sont mes termes, effectivement dans les organisations de travail, bon, de nombreuses entreprises intègrent, peut-être même toutes, intègrent le mal-être au travail dans donc moi ce que j'appelais des données de fonctionnement. L'idée actuelle, il me semble, est que si un salarié est, si vous me permettez cette allusion à Winnicott, suffisamment heureux au travail, il sera naturellement performant. Ce serait donc gagnant-gagnant. C'est un peu ce que vous dites justement, c'est comment est-ce qu'on ne se passe pas de la notion d'efficacité, hein, comment est-ce qu'on lui redonne ses lettres de noblesse. Un tel processus ne trouve-t-il pas sa source du côté de la morale? Oui, bien sûr. Et j'ai toujours d'ailleurs été assez opposé à tout ce qui serait une sorte de psychologie morale, ou à l'idée qu'on pourrait s'installer dans le jugement sur les personnes. Quoi. Hein? Mon expérience m'a au contraire montré que les gens, pour parler un peu comme Spinoza, sont aussi parfaits qu'ils peuvent. Et qu'au fond, s'ils sont ce qu'ils sont, et parfois d'une certaine façon enfermés dans des idées fixes, ou enfermés dans leur solitude, c'est que, à tort ou à raison, ils n'imaginent pas du tout qu'il soit possible de faire autrement. Contre ce genre d'imagination, d'idées fixes, la seule solution, c'est de multiplier les imaginations possibles. Bon, c'est-à-dire, au fond, d'intervenir, c'est plutôt notre travail, hein, ce qu'on appelle la clinique de l'activité, d'intervenir dans les situations de travail pour réveiller, régénérer la controverse. C'est paradoxal. On arrive souvent de discuter avec des dirigeants, des employeurs, et qui essaient de me faire dire assez vite ce qu'on cherche à faire. Et parfois, avec un peu d'humour, je leur dis ce qu'on cherche à faire est assez simple, quoi. C'est restaurer le conflit dans les organisations, ce qui en général hérisse leur poil. Et d'ailleurs, en toute légitimité, ils sont fondés à dire « Vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, le conflit ?» Évidemment, quand ils parlent de ça, ils parlent des conflits sociaux classiques, mais aussi ils parlent des conflits entre personnes. Et j'aime bien leur dire que si vous avez tous ces conflits qui vous préoccupent autant, c'est que si vous avez trop de ces conflits-là, c'est parce que vous n'avez pas assez de l'autre conflit dont je parle, c'est-à-dire de ce conflit de critères autour du travail bien fait. C'est parce que cette question-là, d'une certaine manière, est chassée des préoccupations de l'organisation qu'elle se déplace en conflit de personnes, voire en conflit social. Et qu'elle empoisonne finalement, au bout du compte, l'organisation elle-même, sans parler même de la santé des gens. Oui, c'est-à-dire si on
produit une métaphore. C'est pas parce qu'il y a trop de bile noire que toute bile est mauvaise. Peut-être même qu'on en a besoin pour le fonctionnement du système lymphatique. Voilà. Ça manque. Ça. Le monde du travail manque, j'allais dire, d'institutions de la pluralité. L'institution de la pluralité. Il faut des institutions. Il ne suffit pas, contrairement à ce que croit qu'on dit au Café du Commerce, simplement de libérer la parole. On a des enquêtes de la DARES, c'est-à-dire le service statistique du ministère du Travail, qui indique que il vaut mieux ne pas consulter, ne pas écouter les gens si on est incapable de faire quelque chose de ce qu'ils disent. C'est encore pire d'être consulté sans être écouté que de ne pas être écouté du tout. Donc, on a besoin d'institutions qui transforment la discussion en transformation effective. S'il n'y a pas ça, les gens préfèrent encore ne pas parler. D'ailleurs, l'un des symptômes les plus fréquents qu'on rencontre en situation de travail, c'est ce qu'on peut appeler la parole inutile. C'est-à-dire l'expérience faite et répétée d'ailleurs, qu'on redit toujours la même chose et que ça ne sert jamais à rien. Ça, c'est un point de vue central, parce que la culpabilité des directions, parfois des gestionnaires de ressources humaines, c'est que on n'écoute pas assez les gens. Donc, il peut y avoir une sorte de morale de la communication, si je peux dire, de la bonne écoute. Hein. Il faut écouter les gens. Et la clinique du travail, c'est comme la clinique tout court. Hein. Le problème, c'est pas de parler, c'est de faire quelque chose de ce qu'on dit. Dans toute clinique, qu'elle soit individuelle ou collective. C'est pas de vider son sac. Voilà. Donc, je suis très très opposé à l'idée que les psychologues du travail pourraient être utilisés, du coup c'est vraiment de l'instrumentation, hein, pour être utilisés simplement à faire parler ou à libérer l'expression. Rien n'est plus grave que ça. Mais ça se passe parfois. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un temps de psychologue du travail, ou d'ergonome aussi d'ailleurs, hein, qui va être proposé dans telle ou telle entreprise pour se donner bonne conscience. Et du coup, ça va dépendre de la capacité du pied du travail notamment à ne pas se laisser marcher sur les pieds, à proposer réellement quelque chose pour que ça marche. Or, là aussi, ce n'est pas toujours le cas. Voilà, tout à fait. Là, on a vraiment une conception des enjeux de métier qui sont extrêmement forts. Les psychologues qui se laissent enfermer dans ces... paradoxalement, hein, dans ce carcan de l'écoute inutile, hein, ouais. de l'écoute déviée, comme si l'adresse nécessaire, quoi, hein, à un destinataire qui est... l'organisateur, le décideur, bon. Si cette adresse-là était d'une certaine manière déplacée sur une adresse psychologique délestée, qui a perdu son centre de gravité en réalité, et du coup qui est utilisée, c'est comme une décharge, hein, dans laquelle on vient poser ses problèmes sans aucune chance de pouvoir les affronter pour de bon. Parce que les affronter pour de bon, c'est les affronter entre collègues, avec sa hiérarchie, pour trouver des solutions qui transforment l'organisation du travail. Et pas fait pour... c'est pas l'art d'accommoder les restes, quoi, la psychologie. On pourrait dire, c'est pas fait pour retraiter les déchets subjectifs du travail, si je veux utiliser cette métaphore nucléaire. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour développer la capacité d'agir des gens en situation. Et ce qui implique que tous les parties en présence soient réellement engagées dans l'affaire. C'est-à-dire que ça veut dire aussi que le salarié, l'agent, je ne sais pas comment on peut l'appeler, le travailleur, ne va pas être uniquement enfermé dans sa plainte, pas dans une revendication pathologique non plus, qui tourne en boucle, en circuit fermé, et qui tend à qui tend vers une satisfaction totale face à, on va dire, une mère institution omnipotente
qui serait supposé ne jamais couper le robinet du Saint-Nourricier. Ce qui arrive. Bien sûr, d'ailleurs, dans notre clinique, j'allais dire, dans la pratique professionnelle d'intervention dans les organisations, on sait bien qu'on est confronté chaque fois à ce qu'on pourrait appeler un tombereau de plaintes et que le discours qu'on nous adresse, c'est le discours qu'on croit que nous attendons, parce que nous sommes psychologues, ça s'appelle une activité transférentielle, hein, qui est justement le discours de la souffrance, quoi. Hein. Au psychologue, finalement, on fait la liste des souffrances qu'on endure. Et nous faisons l'hypothèse, nous, dans le type de clinique qu'on fait, qu'au fond, ce qui ampute le plus les gens, c'est leur... c'est non pas ce qu'on leur fait, mais ce qu'ils n'arrivent pas à faire de ce qu'on leur fait, qui n'est pas tout à fait la même chose. Du coup, toute notre clinique vise à les mettre dans une situation où ils peuvent reprendre entre eux et retrouver des ressources insoupçonnées d'eux-mêmes dans la situation, et parfois même faire revenir à la surface des possibilités qu'ils ont finalement écartées au nom d'une simplification de la plainte dans laquelle ils se sont enfermés comme une véritable idée fixe. Bon, en clinique, on sait bien comment ça fonctionne, c'est des systèmes défensifs. Hein. Et la moindre des choses quand on fait de la clinique du travail, c'est de ne pas prendre ces systèmes défensifs à la lettre. Quoi. Parce que du coup, quand on fait ça, on prend les sujets au piège. Quoi. On ne prend pas seulement les systèmes à la lettre, les systèmes défensifs à la lettre. Et finalement, c'est un vrai piège clinique pour les sujets que d'être cru sur parole. C'est un vrai risque de voir les gens sur parole plutôt que de les mesurer à la capacité de dire autre chose que ce qu'ils ont finalement accepté de se répéter à eux-mêmes. Donc on n'a pas en clinique du travail, en clinique de l'activité en particulier, du point de vue des mécanismes psychiques, des choses radicalement différentes de la clinique habituelle. En tout cas, ces processus de répétition sont absolument à l'œuvre. Et la moindre des choses, c'est que on respecte les collectifs, puisque souvent c'est avec eux qu'on travaille, suffisamment pour que justement ne pas les croire sur parole et les mettre au travail. D'accord. En guise de conclusion, comment voyez-vous les choses évoluer? Qu'espérez-vous concernant l'avenir du monde du travail? Bon, alors j'ai appris au long de ma carrière à ne pas espérer démesurément. Hein. Et aujourd'hui, dans la situation où nous sommes, je sais bien que les situations sont loin de s'améliorer. Je suis même au cœur de beaucoup d'interventions au milieu professionnel qui montrent à quel point les conflits dont je parlais tout à l'heure s'exaspèrent, et s'exaspèrent d'autant plus qu'ils ne trouvent pas à s'instituer, ils ne trouvent pas à s'instruire. Et en même temps, ce qui me permet de continuer à travailler avec détermination, j'allais dire, c'est le fait que ce déni du conflit porte véritablement atteinte à la performance, c'est-à-dire que les milieux professionnels, je pense, puisqu'on en parlait tout à l'heure, aux hôpitaux, sont atteints d'un vrai problème d'efficacité, dans l'efficacité dans laquelle sont concernés aussi des usagers, des clients. Parfois d'ailleurs, on confond les deux mots. Hein. Voilà. C'est d'ailleurs très intéressant de voir que y compris dans les services publics, on est amené à parler des usagers comme si c'était des clients, ou des clients usagers, ce qui est le signe d'un véritable dilemme, d'antinomie dans la définition de l'objet de l'activité, qui pose d'énormes problèmes. Donc, mais par contre, voilà, je pense que du côté des usagers, des clients, des consommateurs, j'allais dire du côté de la société qui est externe
au milieu du travail ou même des entreprises. Il y a de tels problèmes aujourd'hui de scandales sanitaires, de dégradation des produits, de dégradation des services, que d'une certaine manière, il y a une demande sociale de qualité du travail qui monte de l'extérieur même des organisations. Et même des préoccupations sur l'environnement, enfin de manière générale, tous les problèmes qu'on met dans la grande catégorie de l'écologie, qui montent la dégradation des produits fabriqués, des milieux qui sont, on pourrait dire, atteints par ce travail ni fait ni à faire que j'évoquais tout à l'heure. Donc il y a une demande sociale extrêmement forte qui se manifeste et qui d'une certaine manière est une sorte d'alliance potentielle entre les usagers, les consommateurs, les clients, nous, lorsque on n'est pas directement dans notre situation mais qu'on bénéficie de l'activité des autres, il y a une alliance potentielle entre ces forces civiles-là, j'allais dire, et ceux qui, à l'intérieur des milieux professionnels, cherchent à privilégier la qualité. Cette alliance-là, qui peut se nouer autour du réel, à mon avis, c'est la force motrice des possibilités de transformation. Je suis tout à fait frappé de voir que, lorsque on évoque ces scandales sanitaires que j'ai évoqués moi-même à l'instant, la dernière chose étant par exemple les implants, qu'on a mis dans les gens sans aucunement anticiper à quel point la dégradation des produits qu'on implante en eux avait des conséquences immenses pour leur santé. Mais prenez les affaires comme Lactalis, où on fabrique du lait contaminé pour des enfants, hein. Bon, Mediator, et pratiquement on a chaque semaine une grave affaire comme ça qui s'étale dans la presse. Et la réaction générale, c'est il faudrait renforcer les contrôles, renforcer les commissions de contrôle, renforcer les règles. La meilleure d'ailleurs des réactions étant encore celle de il faudrait multiplier les lanceurs d'alerte. Et comme vous voyez, dans ces deux solutions qui sont préconisées, on en oublie toujours une, c'est la possibilité pour ceux qui fabriquent les choses, les salariés qui sont, et donc les professionnels qui sont engagés avec leur expertise dans la conception, dans la mise au point, dans la fabrication de ces produits, de ces services, on oublie à quel point ils pourraient être une véritable force de rappel pour la qualité de la vie. Et donc il y a comme un lien qui se fabrique là entre santé au travail et santé publique. Ce lien-là, c'est celui qui me donne le plus d'espoir de voir les choses se modifier, c'est-à-dire la possibilité de faire le lien entre les préoccupations de santé publique qui montent considérablement dans la société et les préoccupations de qualité du travail qui sont celles de ceux qui sont à l'intérieur des organisations. Mais pourquoi est-ce qu'ils le feraient, les travailleurs? Pourquoi est-ce qu'ils ne défausseraient pas cette responsabilité? Ils peuvent le faire. Ils peuvent se défausser. Et on connaît des situations dans lesquelles les travailleurs en question, ces professionnels, ne veulent pas avoir en plus, alors même qu'ils se sont trouvés dans des situations de subordination, dans lesquelles leur parole a été inutile, y compris sur la qualité du travail, on comprend qu'à un certain moment, ils ne veulent pas en plus, alors même que leur pensée s'est trouvée refoulée, voire que leurs propositions se sont trouvées ravalées. On comprend qu'ils ne veulent pas en plus payer les factures de la critique sociale de telle ou telle activité, de tel produit, de tel service. On peut comprendre que, d'une certaine manière, ils aient recours à des systèmes défensifs de ce type-là. On n'est pas obligé de les juger. En tout cas, je ne le fais pas. Mais, par contre, on peut construire des liens. Si, d'une certaine manière, on n'instruit pas autrement le rapport de subordination à l'intérieur des organisations, alors il y a un véritable risque que la qualité de la vie, en pensant là à la nature, aux produits qu'on consomme, à ce qu'on a dans nos assiettes, aux médicaments qu'on achète, hein, toutes ces choses qui sont absolument vitales, si on veut qu'elles deviennent un bien commun,
que ce soit de l'ordre dans le champ du bien public, d'une certaine manière, le conflit de critères que j'ai évoqué doit être institué. On est sur des grandes questions politiques, hein, qui sont des questions de psychologie fondamentales. À l'endroit où donc le politique est incarné par un individu, et que cet individu fait partie d'un certain nombre de groupements, y compris de groupes collégiaux au travail, ce que vous avez appelé un collectif tout à l'heure, et que dans cet ensemble-là, il peut participer ou faire société. On peut le dire comme ça ? Absolument, bien sûr. Je crois vraiment que les activités professionnelles, qui quand même occupent un temps dans notre vie considérable, sont des lieux de formation civique. Pas au sens de la morale, hein, mais je dirais presque au sens de l'éthique, c'est-à-dire que chacun est confronté d'une certaine manière à se mesurer à ses habitudes et même à changer d'habitude, les bonnes et les mauvaises d'ailleurs. Cette espèce de possibilité de faire de ses habitudes un moyen de vivre autre chose, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le développement. À la suite de l'école, hein, qui est un autre endroit où on apprend cela, et ce qui est assez dramatique d'ailleurs, c'est qu'on s'aperçoit que ceux qui sont exclus du milieu scolaire sont souvent aussi... c'est difficile pour eux de ne pas être exclus du milieu du travail. Il y a quelques exceptions notoires, hein, je pense à un documentaire qui a été fait qui s'appelait Cancre, je crois, sur des gens qui ont fini par réussir en étant beaucoup comme... Jean-Michel Apathy, Thierry Marx, etc. Mais ça reste quand même des exceptions. Bien sûr. Il y a un lien entre l'école, j'allais dire, et le travail, en ce sens-là. Personnellement, je pense que si le travail n'est pas une école de civilité, c'est compliqué d'avoir des écoles qui sont centrées sur le développement des sujets et des individus, quoi. Et on ne peut pas avoir un travail qui demande simplement à mettre en œuvre des capacités déjà acquises, et donc un travail d'exécution d'un côté, et ensuite fonder une école sur la création. Et sur... Pour terminer, peut-être ce qu'on peut dire, je pense qu'on ne peut pas tout à fait conclure, heureusement d'ailleurs, c'est pas le but, mais en tout cas, le fait que sur cette question de la santé, puisque le thème de l'entretien, c'est le travail nous rend-il malade, on a une responsabilité dans la santé au travail. Les travailleurs ont aussi quelque chose à y faire. Moi, c'est ce que je dis aussi en analyse des pratiques, hein, le fait qu'on recrée à chaque fois la fonction. Chaque travailleur, c'est quelque chose que je vends en tout cas, chaque travailleur recrée son métier. Il ne s'appuie pas sur rien, mais il a des choses à y apporter que seul lui peut y apporter, quel que soit le travail. Quel que soit le travail. Il n'y a pas d'exception. Dans le travail le plus routinisé, a priori, et par exemple le travail à la chaîne dans l'automobile, hein, c'est un secteur que je connais assez bien, c'est vraiment une lubie intellectuelle de penser que, même dans ces conditions-là, les gens sont simples exécutants. La réalité, c'est que ça marche parce que chaque fois, ils réinventent les gestes qu'on leur demande de faire, quoi. Et d'ailleurs, on sait bien que si dans ce travail taylorisé, les gens faisaient exactement ce qu'on leur demande, il n'y a rien qui sortirait au bout des chaînes. Et c'est vrai, évidemment, dans tous les métiers, mais même dans ces métiers les plus contraints. D'accord. Bon. Un bon mot de la fin, justement. Peut-être qu'on ne produit pas du rien quand on travaille. Voilà, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous.